Il restera l'un des grands noms de cette 111e édition du Tour de France. Et pour cause, l'Érythréen Binyam Girmay est le premier coureur africain à remporter le maillot vert, couleur du meilleur sprinter, couleur aussi de l'espoir qu'incarne l'enfant d'Asmara pour tout un continent. À 24 ans, il se sera imposé à 3 reprises sur la grande boucle, lui qui se voit comme le symbole d'un cyclisme qui s'ouvre au monde. Il a répondu aux questions de James Vasile. Amazing feeling, to be honest. Ce sont des sensations absolument incroyables. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un flot d'émotions. Je ne veux plus pleurer devant les caméras, vous savez. Je me disais, si déjà je fais le Tour de France, ça serait génial. Mais gagner 3 étapes et remporter le maillot vert et devant mes compatriotes érythréens venus me soutenir, c'est vraiment incroyable. Je suis heureux et confiant pour l'avenir du cyclisme africain. Le Tour de France devient de plus en plus international. C'est magnifique de voir un peloton si divers, de différentes origines, différentes couleurs de peau. Et j'espère voir plus de cyclistes africains dans le futur. More African cyclists. Merci d'être